Bonjour à tous, José YTB, une vidéo pour vous montrer comment vous buguez pour pouvoir récupérer un véhicule au strip club. Le véhicule que je veux récupérer, il est là. Mon ami est déjà dans le mock, il m'attend, prêt à m'inviter. Et en prérequis, il vous faut la suite avec terrasse du casino, un bunker avec un centre d'opération mobile et un véhicule à perdre. Alors, moi, je me mets en sécuro et j'appelle un busard qui va me permettre de ramener mes deux véhicules. Vous allez vous bugger tout seul, faire toute la manip tout seul, comme ça la personne qui vous donne le véhicule ne perd pas de temps. Une fois que votre busard a spawn, vous allez vous diriger vers le casino. Alors soit vous prenez un véhicule de PNJ, soit vous faites comme moi, vous vous téléportez. Pour vous téléporter, si vous ne savez pas, j'ai fait une vidéo pour vous le montrer. Allez, on attend. Diète. On rejoint un ami, notamment un Awak, que je vous mettrai son nom en description. Hop là. On le rejoint. On acceptera le premier message, on refuse le deuxième et on se retrouve à l'endroit où on voulait aller. Ensuite, on se dirige vers l'entrée du casino. Et on va tout de suite prendre la suite avec terrasse. Hop là. Une fois dans la suite, on va se diriger vers le téléphone sur la droite. Quand ça voudra bien y aller. Hop là, on y est. On va devant le téléphone. Une fois qu'on a le petit message en haut à gauche, on rejoint Anawak. Le petit timing, ça va être, quand vous êtes dans l'écran noir, vous faites flèche de droite et vous spammez X. Allez, flèche de droite, on spamme X. Et quand on va atterrir dans la suite, on va appuyer sur le pavé tactile. Hop là, pavé tactile. Il compose le numéro. Une fois qu'il a composé le numéro, hop là, on fait flèche du haut. Et une fois que le téléphone a disparu, on peut quitter le menu. On se dirige vers la sortie. On se met sur casino. On fait X, on recule. Moi, ma méthode, je me remets sur suite au niveau de la porte sur la sortir de la suite avec terrasse et je compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je valide. Une fois qu'on est dehors, on commande son mock. Véhicule imposant, centre d'opération mobile, demander le centre d'opération mobile. Moi, mon véhicule est déjà là, on le voit sur la minimap, sinon vous le commandez. Vous vous remettez à l'entrée du casino, sur casino, et on compte 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on fait X. Alors là, soit vous spawnez sous la map, soit vous spawnez dans le casino. Voilà, je suis dans le casino. Si vous n'êtes pas sous la map et que vous atterrissez comme moi, vous vous dirigez vers lui. Vous accédez au service de la clientèle, gardien d'appareil aérien et vous commandez le Frogger. Si vous avez spawn sous la map, vous n'aurez pas besoin de faire ça. Hop là, une fois qu'on est là, on va se diriger vers le mock. Sans se cracher. Mon mock est devant l'hippodrome. Hop là. «
Vous y montez, vous vous dirigez vers le strip club qui se trouve ici. Hop là, voilà. Comme vous pouvez le voir, ma minimap, elle est buggée. Poussez-vous les PNJ. La méthode est un petit peu longue, mais c'est la seule qu'on a en ce moment. Donc, on n'a pas trop le choix si on veut récupérer des véhicules. Allez, on arrive au strip club. On va positionner le mock. Alors moi je positionne l'arrière de mon mock à peu près comme ça par rapport à la jardinière. Je descends du mock. Et là, je vais aller vers mon busard que j'ai commandé tout à l'heure. Si vous ne pouvez pas commander de busard, vous aurez juste à prendre une voiture de PNJ, hein, ça revient au même. Hop là. On se dirige vers le casino pour récupérer notre véhicule à perdre, notamment le Legge RH8. Je ne fais pas de coupure comme ça, vous voyez tout. Hop là, mon élégie est là, je monte dedans. Et je retourne au strip club. Une fois arrivé au strip club, vous allez positionner votre véhicule exactement comme ça, juste devant l'entrée principale. Voilà. Vous avez le petit message. Là, c'est très simple. Hop. Vous faites flèche de droite, le moque commence à danser. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mon bateau, mon yacht qui apparaît sur la minimap, il va despawn, mais sinon vous attendez un petit peu. Et là, pour vous débugger la vue, vous allez faire. Hein, vous allez lancer un travail de titan. Donc, start, en ligne, activité, jouer activité créée par Rockstar, mission, un travail de titan. Vous lancez. Et dès que vous pouvez, vous quittez Travail de Titan en faisant rond. Voilà, les paramètres vont s'afficher. Hop là, vous quittez
et votre vue est débuggée, ce qui fait que vous pouvez monter dans le véhicule à récupérer. Mon véhicule est là, je monte dedans. Mon ami qui est déjà dans son moc, qui va m'inviter à l'intérieur de son moc. Voilà, j'ai reçu l'invitation. J'ouvre mon téléphone, j'ouvre en grand l'invitation. Et là, la petite manip, j'appuie sur Start. Une fois que je relâche Start, j'appuie sur X. Hop, voilà, je suis là. Ensuite, je rejoins une autre session. Hop, et voilà, j'ai récupéré le véhicule. On va attendre de spawn. Voilà, moi je vais spawn au niveau de mon bunker, ce qui est tout à fait logique. Hop là, je vais me diriger vers une route et je n'aurai plus qu'à appeler le véhicule que je viens de récupérer. Hop là, véhicule imposant, centre d'opération mobile, demander le véhicule personnel. Et voilà, j'ai récupéré le véhicule au strip club. Et voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao!